Philippe, bonjour. On est très content de vous recevoir ce matin sur le 2e e-live. Philippe, vous êtes un vendeur de biens immobiliers. Vous êtes un vendeur de biens à Aix-en-Provence et vous avez utilisé nos technologies pour faire la promotion de votre bien. Vous avez travaillé avec Brice, Brice qui est dans notre agence, Brice qui va nous rejoindre, le voilà. Je le fais monter à l'écran, il est un petit peu flou, mais il va... Je pense que la liaison va s'améliorer dans quelques secondes. Donc aujourd'hui, Philippe, on est là pour échanger d'une part sur l'utilisation que vous avez fait du produit My Market Immo, et puis présenter aussi votre bien, puisque c'est un bien sympathique, un bien rare, un très bel appartement dans le quartier de la Torse, un dernier étage, dans une résidence avec piscine, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça va permettre aussi à nos internautes de se projeter et d'aller visiter un appartement, certes qui n'est plus meublé puisqu'il a été déménagé, mais qui est quand même de belle facture. Alors, première question peut-être à Brice que je fais revenir à l'écran. Brice, comment ça s'est passé? Comment tu as rencontré Philippe? Comment vous avez travaillé autour du concept My Market? Ah ben c'est assez intéressant. Alors avec Philippe, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'autres professionnels. En fait, c'est ça qui est assez marrant dans l'histoire. Philippe avait déjà plusieurs agences et moi, par le biais de la prospection et du relationnel, j'ai rencontré un des agents immobiliers qui s'est avéré être quelqu'un d'assez proche de Philippe. Et de fil en aiguille, je lui ai proposé notre solution qui pourrait être un bon complément de son mandat de vente. Et il m'a gentiment mis en relation avec Philippe. On s'est vus tous les trois au bureau. Et je sais qu'après, je vais laisser Philippe en parler, bien sûr. Mais il y a eu une adhésion assez forte rapidement parce que ça répondait à des besoins qu'il avait identifiés, en tout cas. OK, donc qu'on comprenne bien, sur ça, tu n'es pas propriétaire du mandat, tu n'as pas le mandat de vente, mais tu as proposé d'utiliser les technologies parce que Philippe avait déjà ses agents immobiliers. Et là, on est intervenu uniquement sur My Market. Et sur le plan technique. Alors maintenant, je vais reposer la question à Philippe parce que c'est lui qui va. Alors le temps que je change de caméra parce que hop là ici on va le faire remonter. Non, ça c'est moi. Voilà, le voilà. Donc oui. Philippe, qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'utiliser les produits My Market quand Brice vous a présenté nos solutions? D'abord, moi j'étais intéressé par ce qu'on appelle les visites virtuelles 3D, qui me semblaient tout à fait nécessaires sur un projet comme ça, enfin sur un projet de vente d'un duplex tel que le duplex donc, que nous avons à vendre là, à la Torse, parce que je pensais pouvoir plus facilement chercher une clientèle éventuellement étrangère en envoyant des etc. Mais surtout, après avoir rencontré Brice, qui m'a présenté le projet, du moins ce que vous saviez faire, enfin, ce que savait faire My Market Immo, qui m'a parlé d'une part des visites virtuelles, de la vidéo possible, du diaporama, m'a montré des exemples. Moi, ça m'a séduit. Ça m'a séduit. Et puis bon, je ne sais pas si on parle du financier un petit peu ou pas. Oui, si, bien sûr, évidemment, le financier. C'est intéressant. Voilà, le challenge, c'est une forme de deal. Hein. On vend, vous touchez une certaine somme qui me paraît tout à fait raisonnable. En ayant fait un site qui me parle. J'ai pu vérifier ce que j'ai fait. Deux visites. La liaison n'est pas bonne. Là, on est coupé. Philippe, on a été coupé par la liaison. Donc là, on a repris. Donc tout à l'heure, vous nous parliez de l'intérêt aussi pour vous du mode de paiement, puisqu'on a un mode de paiement qui est au success fees quand vous aurez vendu. Donc je vous laisse peut-être terminer sur ce que vous aviez à dire sur ce sujet-là. Oui, je disais que le mode de paiement me semblait très intéressant et mais tout à fait attractif, tant pour moi, enfin surtout pour moi dans ce cas-là, puisque vous touchez une commission relative, enfin un montant qui me paraît très très raisonnable si la vente a lieu. Mmh, absolument. Voilà, donc ça me semblait très raisonnable. Comme vous dites, c'est au success fees, puisqu'on est payé que quand vous avez vendu. Donc on fait confiance à la vente. Et oui. Alors ce que je propose,
ce que je propose, c'est qu'on emmène nos internautes visiter le bien, comme ça ils vont voir de quoi on parle, et puis après on revient et puis on redonne quelques explications et sur le bien, parce que c'est bien que vous puissiez le présenter et faire aussi votre promo, puisque quoi que mieux que le propriétaire pour faire la promo de son bien, et puis on reparlera de My Market. Donc on y va, on visite et on revient. Voilà, donc nos internautes ont profité de ce joli bien atypique, je précise, pour les gens qui ne sont pas d'Aix, puisqu'on est dans un quartier recherché, quartier de la Torse, et oui. Une résidence aussi recherchée, puisqu'elle est avec piscine, elles ne le sont pas toutes. Pour revenir au tournage de mémoire, je crois que vous aviez une volonté, c'est qu'on mette aussi en valeur le quartier, justement, ce quartier de la Torse. Oui. Est-ce qu'on a bien suivi vos directives? Est-ce que vous étiez content de notre processus et de la manière dont on a tourné votre film? Oui, en particulier pour la vidéo, déjà d'une part, dont on vient de parler, effectivement, la vidéo sur le parc de la Torse avec le démarrage sur le petit cours d'eau qui passe dans le parc de la Torse. Le côté très bucolique de l'ensemble, et bien sûr cette lumière. Cette lumière, on dit que je fais du bruit avec mon, excusez-moi, je fais un peu de bruit avec mon stylo. Pas de problème. Donc, je disais, oui, la vidéo, que je trouvais très très jolie, hein, très, très sympa. Ensuite, les photos. Les photos étaient plutôt, mettaient très très bien en valeur le bien, puisque je les ai un peu réutilisées. Très bien. Ouais. Voilà, elles étaient très bien. Oui, j'étais très content du travail. Est-ce qu'aujourd'hui, parlez-nous de l'appartement d'abord. Vous êtes le propriétaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous écoutent, qui chercheraient ce type d'appartement? Comment vous avez envie de le mettre en valeur? Écoutez, c'est un appartement qui est très lumineux, qui est au deux derniers étages d'un immeuble de 3 et 4 étages, en fait, hein, donc un duplex. Avec une vue au sud-est, en vis-à-vis, donc une vue très sympa et dégagée, et donc aux abords du parc de la Torse. Appartement qui fait près de 190 mètres carrés, donc relativement spacieux, et qui conviendrait très très bien à une famille de 3-4 enfants. Voilà. Le prix de vente, on en est où? Au prix de vente aujourd'hui, on en est où? Il est mis en vente à 998 000 euros, voilà. Frais d'agence inclus. Parfait. Voilà. Parfait. Donc comme ça, les gens
On l'a donné précise. On va faire revenir Brice. Brice, toi, tu as une fois qu'on a tourné et qu'on a créé le site, j'imagine que, oui. tu as livré les agences immobilières qui avaient le mandat, qui ont pu utiliser oui. le site. Comment ça s'est passé, la livraison et l'envie d'utilisation pour les agences? Alors, généralement, je suis toujours bien accueilli hein, quand on amène un beau support pour la promotion de leur mandat. C'est toujours intéressant. Certains l'ont peut-être un peu moins utilisé que d'autres, tout simplement parce que ça n'est pas dans leur gène de commercialisation. Mais il est vrai que j'avais déjà un partenaire, si on peut dire ça comme ça, qui était très actif sur l'utilisation, la personne qui nous a mis en relation et qui a été vraiment en phase avec l'outil. Et c'est ce qui lui a permis justement d'aller capter un peu plus de personnes. Ça, c'était son ressenti, notamment sur les réseaux sociaux. Il avait toujours l'impression d'envoyer quelques photos et de ne pas avoir de retour. Là, il a pu qualifier davantage les personnes avant de les faire venir physiquement. D'accord. Vous, Philippe, avec ce Covid, là, ce qu'on a vécu, est-ce que vous sentez que le Oui. marché, il est plutôt actif? Ça visite un peu en ce moment, ça bouge? Vous êtes inquiet pour la vente ou pas vraiment? Écoutez, non, je ne le suis pas trop. J'ai l'impression que ça bouge pas mal. Bon, on a eu des visites, on a eu deux visites pour l'instant. Les agents immobiliers nous disent que ça bouge. Bon, après, nous, en dehors du nombre de visites, on a peu d'autres critères, hein, de jugement. Bien sûr, Mais il bien semblerait sûr. que ça bouge beaucoup. Je ne sais pas si c'est C'est réellement vrai, le cas pour vous c'est aussi. vrai. On a le même sentiment. Ça bouge beaucoup, ça demande, ça visite. Alors, ça a un peu plus de mal à passer à l'acte. Moi, j'ai l'impression que les gens, voilà, ont été confinés pendant 2 mois. Et puis là, ils se disent, ouais, chouette, on peut ressortir. On a bien regardé Internet pendant 2 mois. On a bien projeté des choses. Donc, on Oui. visite. Après, le fait du déclenchement, c'est un peu plus timide. Ça se pose beaucoup de questions. Il faut D'accord. passer à l'acte. C'est un peu notre sentiment, ou du moins de ce qu'on vit dans nos visites. Brice, je sais pas si tu partages ce que je suis en train de Oui. dire, toi, dans tes visites. Oui, on est vraiment sur ce ressenti-là. Il y a certaines personnes qui ont eu le temps justement de mûrir leur projet et qui, à l'inverse, passent à l'acte très rapidement. Si on prend des exemples, en tout cas, de confrères avec qui j'ai parlé, ou même moi, j'ai des personnes qui, en 48 heures, ont pu se décider rapidement, et d'autres personnes qui, justement, le confinement peut-être leur a fait l'effet inverse, mais une phase de doute, parce qu'ils ont vu tellement de choses proposées qu'ils ne savaient plus trop où donner de la tête, et les visites, arrangent pas forcément les choses. Donc, on n'est pas sur des prises de position rapides. Eh oui, donc là, l'avenir nous dira ce qu'il en est. Eh oui. Donc, Philippe, merci beaucoup pour ces quelques minutes, cet échange. Merci à vous. Moi, je vais vous souhaiter le meilleur pour cette vente, d'abord pour vous, puis après pour nous, puisque comme vous l'avez dit, on sera payé quand ça sera vendu. Donc, on est content quand ça se passe. Et puis, Oui, ça va se faire. on n'est pas inquiet, parce que Il y c'est a un une produit qui forte est assez volonté, si unique. vous voulez, enfin voilà, il y a une forte volonté familiale maintenant là, donc je pense que ça va se Oui, faire parce vendre. que vous êtes en indivision sur ce bien, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, tout Très à bien. fait, oui. Donc, c'est vrai que la volonté familiale est importante pour pouvoir Oui. vendre un produit quand on est plusieurs. On n'est pas tout seul aux manettes. On a fait la semaine dernière, je crois que non, c'est la semaine d'avant qu'on a eu une avocate Oui. qui nous a parlé de ça, de l'indivision, des problèmes de sortie d'indivision qui sont pas toujours faciles. Donc, on va vous souhaiter que d'en sortir le mieux possible. On vous remercie pour votre temps. Merci. Comme on l'a dit à tout le monde, on était en différé aujourd'hui parce que voilà, on n'avait pas le temps de le faire en live vendredi matin. Donc, tenu au D'accord. courant, profitez et merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Eh bien, merci Brice et merci Laurent. Merci Oh, Philippe. au plaisir. Merci Bonne Philippe. soirée. Au revoir. Merci.